Je me suis toujours demandé qui étaient ces femmes de l'ombre qui rendent ces lieux agréables. Alors que le jour n'est pas encore levé, elles sont déjà là. Dans ces longs couloirs vides où le silence est maître, le bruit de leur travail résonne. J'ai eu l'occasion de rencontrer ces femmes à plusieurs reprises, tandis que d'autres n'ont même pas conscience de leur existence. J'ai voulu mettre en avant ces femmes qui se lèvent à l'aube pour nettoyer l'unité. Ce documentaire met en lumière ces femmes de l'ombre. Je m'appelle Patricia, ça fait 14 ans que je fais le nettoyage à l'UIT. Voilà. J'ai 58 ans. Bon, maintenant j'ai des enfants qui sont grands et des petits-enfants. Maintenant il ne reste plus qu'à attendre la retraite. Moi, par ici, je fais les deux étages, le rez-de-chaussée et l'amphi. Et de l'autre côté, ben, ils ont chacun deux étages. Et les escaliers aussi. Du coup, vous mettez la radio, vous faites quelque chose pour... Non, rien du tout. Parce que la radio, paraît que je cours toujours, non. Non, c'est l'habitude. Hein. Vous devez bien penser à quelque chose. Ah bah ça doit arriver qu'on parle toute seule. Hein. j'ai toujours fait du nettoyage. Depuis mes 18 ans. Ah bah ici, c'est sympathique. Ça va. Il y a des années que les étudiants, ils sont plus sales que d'autres. Il y a des... Bon, pas des graffitis, je mentirais. Des petits dessins dans la... sur les tables. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui a pas fait des dessins? Moi, la première. Mais non. Bon, moins bien les chewing-gums. Bon. Mais ça, ils savent pas qu'est-ce que c'est une poubelle. Mais bon, ça va. L'année dernière, on n'en a pas trop trouvé. Du coup, vous nous avez dit tout à l'heure que vous y êtes 3 heures à lutter. Est-ce que vous faites autre chose derrière? Oui, je fais des cages d'escalier pour un autre employeur. D'accord. On est obligé parce que dans le nettoyage, on n'a pas beaucoup de temps et on ne pourrait pas vivre. Alors, on est obligé d'avoir d'autres employeurs. C'est bien, bon. C'est l'habitude, c'est une autre chose, les escaliers. Vous faites ça toute la journée, du coup? Non, je travaille que le matin. Je travaille jusqu'à 1h30. Et ça laisse le temps l'après-midi pour voir les enfants. Oui, oui, oui. Et actuellement, comme j'ai une collègue qui est en arrêt de maladie, j'ai repris à refaire les classes le soir. Parce que bon... c'est quand même, il faut faire toujours attention de ne pas enfermer un étudiant. Il y a une année, il y a une prof qui a été enfermée par ma collègue. C'était moins bien pour elle. Finalement, je voudrais dire un dernier mot pour Patricia, afin de la remercier pour le temps qu'elle m'a accordé. J'ai apprécié cette matinée passée avec elle. Cette femme de l'ombre est enfin sortie dans la lumière.